Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la série SOS Chien, la série médicale. Aujourd'hui, je retrouve Emmanuel du cabinet Vetmin que vous avez déjà rencontré sur les saisons précédentes. Et aujourd'hui, on continue de répondre à vos questions. Emmanuel, j'ai une question pour toi. On me demande pourquoi la testostérone influence les bagarres entre chiens. Super question. Vous avez dit, ils répondront plus à vos questions. On est sur la limite de notre segment de pratique, sachant que le comportement, c'est quelque chose qu'on aborde en médecine vétérinaire, mais qui est évidemment pas notre cœur de métier. Là, c'est les hormones. C'est hormonal. Ce qu'il faut retenir, c'est que la testostérone provoque effectivement différents types de comportements. Et effectivement, on a dans la majorité des cas l'apparition avec la testostérone de comportements. Alors, agressifs, oui, ça dépend des circonstances, mais de comportements très clairement de dominance, d'attrait aussi pour les femelles. C'est quelque chose d'assez compliqué, le mécanisme moléculaire, la cascade d'action qui aboutit de cette sécrétion de testostérone à un éventuel comportement agressif. Est-ce que si un chien, donc il y a des taux qui varient de testostérone, c'est bien ça? Mais il n'y a pas de corrélation systématique en tout cas entre un haut taux de testostérone et une agressivité exacerbée. C'est incroyable, il faudrait faire des recherches, il va falloir me le noter ça quand même, parce que c'est le truc qui me vient automatiquement. Surtout moi qui fais de l'éducation et du comportement, j'aimerais bien savoir si un chien qui a plus de testostérone qu'un autre prendrait automatiquement le... Pour voir s'il y aurait une influence en fait médicale et... Je pense qu'il y a une influence, mais c'est multifactoriel. Donc clairement, le caractère initial de l'animal, il rentre à mon avis plus en ligne de compte que une éventuelle différence de taux sanguin de testostérone. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir accueillis dans ton cabinet. Et puis, à tout bientôt avec des questions super gênantes. Allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à bientôt.